Et puis au niveau du jeu, on s'adapte pas mal. Hein. C'est Vernon Taylor qui semble vraiment un petit peu mener le jeu ce soir. Il tire à 3 points. Ah, et voilà, Xavier Ford à 3 points. Ah, dommage. Défense, il faut finir ça. Il faut finir. Attention, c'est du 2 contre 2. Galloway qui arrive, 3 contre 2. Et voilà, c'est fini un petit peu plus propre de l'autre côté du terrain. Directement au numéro 2, Kessler. Kessler, on arrive à trouver un autre joueur. Non, c'est Kessler toujours. Ah, magnifique. Magnifique ce qu'il vient de faire, le numéro 2. Largement, c'est 10 longueurs d'avance, mais attention. Avec, ouais, alors Edwards qui a tenté d'aller seul à l'intérieur et qui a été pris un peu en sandwich par deux. Voilà. Merci, Brian Collomb. À son maillot de top scorer mobilière, mais sinon, on ne voit pas vraiment grand chose pour l'instant. Ça va peut-être venir. En tout cas, c'est coéquipiers qui font leur match avec Brunel, Tudanda. N'ont pas réussi à prendre ce ballon. Alors Galloway, il va jouer Xavier Ford, c'est clair. Hein, il lui rentre dedans, là, il joue comme un intérieur et c'est parti. Et voilà. Bon. Et on a alors Eric Carter, on va voir le jouer. Alors il est doublé. Alors Vernon Taylor va le servir. Super moment, bien joué. Ouais, voilà. Les gens qui sont en possession de là-bas, ou là, encore une paire de balles. Des paires de balles un petit peu. Ouais. Xavier Ford dit. Et ça, ça rentre, mais c'est des limites marché là, non? Union Neuchâtel qui a 6 interceptions à 3. Attention, alors pas de faute. Les dernières secondes de là. Brian Collomb qui défend bien, mais qui se fait, voilà, et le end-one. Image rassurante, hein, malgré son loupé. Le numéro 7, Salim Favana qui est de retour. Ça a l'air d'être pas trop grave, hein, ça blesse. Timberlake qui se permet de faire des passes dans le dos, qui vient mettre un petit hook encore. 37 ans, hein, avec autorité. Là. On parlait de bataille entre les deux intérieurs. J'ai l'impression que Galloway. Et là, tire à 3 points. Et ça rentre. 15% pour Union Neuchâtel à 3 points. Et Monté qui pourrait passer sur cette possession à plus 20. Hein, avec c'est facile. Waouh, ras-le-bol de ce match. Oui, vraiment, une pensée à ceux qui ont la chance d'être dans les tribunes. Et ça rentre là de Collomb quand même. Une de chaque côté. Et Monté, ouais, alors justement, il a beaucoup d'espace là, Tim. Ouais, alors qu'est-ce qui se passe? Ah voilà, maintenant c'est Taylor qui est dans le dur là, qui continue de défendre, mais et Galloway qui. Oh non! Oh là là! Oh non. Oh là, une claquette inversée, non? Point, 7 minutes à jouer, voilà. Ouais, mais ça sent voilà. Ça, par contre, Galloway, il va aller prendre le dessus sur Kylian Martin à l'intérieur. Mais alors, Mitar Trivinovic qui laisse Daniel Giddens sur le banc. C'est le travail de l'équipe, peut-être laisser un peu de la place à des vétérans qui font très bien leur match. Peut-être qu'il est aussi un peu blessé et diminué physiquement. Peut-être aussi, tout à fait. Voilà, Eric Carter, bien servi par Vernon Taylor. Mais au moins, il y a du rythme. Au moins, on vit une fin de match qui est assez intéressante. Hein. Ouais, toujours plus 6 avec 3 minutes à jouer. Cette et attention, là, Fritchi, magnifique. Et voilà, Fritchi. Ils en ont besoin, là. Le momentum a totalement changé de côté. Et attention, faut pas encaisser. Et c'est Monté qui est dans le dur. Attention, on shoot Fritchi. Oh. Allez, pourquoi pas essayer de tenter quelque chose. Il faut marquer rapidement, par contre, pour rester en vie dans ce match. À Kylian Martin, il faut s'y retourner. Voilà, exactement, allez, une grosse défense. Surtout maintenant à plus 7, voilà, il y a même plus les 2-3 points miraculeux. On va quand même essayer d'aller tirer à 3 points. À l'image du match, on va dire, on va quand même regarder les tirs un petit peu à l'image de la performance d'Union Neuchâtel.